Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une carte. Une petite carte. Une carte avec ce magnifique bloc de chez Action Réaction. Comme vous savez, je suis allé à Action. 1, 2, 3, gagné. Donc, on va faire une petite carte avec ceci. Cela, ensemble. Donc, ça dégage. Alors, on va déjà faire notre petite carte. Allez, c'est parti, mon kiki. Donc, je vais faire un pli à 12 cm et je vais découper à 24 cm. Pour la largeur de la carte, on va la couper à 16, 17, 16 et demi. À 16 et demi. Alors, je vais marquer 16 et demi. Et je sais plus, c'est 12, non? Ouais, 12. 12. Et voilà, notre carte est magnifique. Oh, blanc sur blanc, monochrome, c'est juste magnifique. On va déjà couper. Donc là, je prends une feuille cartonnée de chez Action. Je m'en sers jamais. Et là, ces derniers temps, je m'en sers parce que j'en ai marre de pas me servir des choses. Alors, je m'en sers. Donc, on va découper un rectangle de 11 et demi sur 16 cm. Donc, ça nous fera ceci. D'accord? Oui. Ok. On va également prendre un papier de ce magnifique bloc que moi j'aime. J'aime tes yeux, j'aime ton odeur, tous tes gestes en douceur, lentement. Je sais pas lequel. Je réfléchis en fait en même temps pour être sincère. Je faisais Zarma. Mais en fait, je pense que je vais prendre celui-là. Je vais prendre celui-là déjà, le carreau. Alors, il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Je vais pas prendre le pailleté par contre. Il est là. Il est où le bonheur? Il est où? Il est là. Donc, je vais continuer à couper. Alors, j'ai dit que ça faisait 12 cm. J'ai coupé à 11,5. Donc, maintenant, je vais couper à 11 cm. Je coupe comme ça parce que je vais en faire deux en fait. Hein. Donc, au moins, ça me fera une bonne chute. Ou la deuxième carte sur donc j'ai dit 16 et demi, donc j'ai dit 16, donc maintenant je dis 15 et demi. Vous voyez, à chaque fois j'enlève 0 et demi pour mater mon papier, d'accord. Donc là, de là à là, j'ai enlevé 0 et demi. Je vais le mettre comme il faut, pas comme je suis en train de faire actuellement. Voilà. Alors, je n'appuie pas comme un malade parce que j'ai l'impression que ça marque. Et si on peut éviter que ça marque, ça m'arrangerait. Et là, j'ai enlevé encore 0,5 du vert. Alors, deux petites secondes. Je suis en train de mettre de la colle sur mes petits doigts. Mes petits doigts. Et maintenant, on va également le centrer. Alors, j'ai oublié, je voulais mettre ça. Donc, vite, Grégory, vite, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Mon esprit est ailleurs. Et oui, ça arrive de faire des conneries. Malheureusement, ça m'arrive très souvent. Bon, on n'est pas là pour ça, on est là pour ça. Donc, on va prendre du double face. Alors, si j'arrive à l'enlever, c'est bon. J'en mets derrière.
Je vais essayer, j'ai bien dit essayer de le faire droit. Je vais couper et je vais mettre derrière. Pour le moment, je vais prendre moi mon petit truc touche à tout. Je vais enlever la capote si j'y arrive. Et j'enlève pas entièrement par contre, hein, comment ça va coller sur mon petit tapis de découpe. Voilà. Voilà. Alors attends. Attends. Voilà, c'est pour faire un truc droit. Autrement, ça m'embêterait assez. Voilà. Mon petit ciseau, il est là. Il est où mon ciseau? Il est où? Il est là. Donc, je vais maintenant réellement la coller à mon fond de carte. Alors, j'aurais pu sincèrement recommencer, couper, cacher, pas vous dire tout ça, hein. Mais en même temps, ça montre que tout est récupérable et on ne verra plus les traces de colle qu'on peut voir actuellement. Désolé pour ce camion qui n'a pas le droit de passer quand je fais des vidéos, mais il n'a pas compris. Je rigole, hein. D'ailleurs, c'est très joli. Il y a devant la maison, il y a la mairie qui a mis des papyrus qui sont en train de pousser. Donc franchement, ça fait super joli. Ça va faire très beau quand ça va bien pousser, que ça sera bien grand. J'hésite même à prendre une petite bouture. Je sais pas si ça, à mon avis, c'est interdit, non? Bon. Maintenant, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une image. Il est où l'image? Il est où? Je sais pas. J'ai pas regardé. Donc, c'est vraiment, vraiment quoi. Je réfléchis. Je réfléchis. Voilà, j'ai réfléchi. Donc, je vais me servir de celui-là que je trouve assez mignon et en même temps avec ça, sans tasse. Bon, pour cela, ben, on va déjà l'enlever, hein. Allez, on enlève. Oh, j'ai déchiré. Non, c'est bon. Voilà. I want Santos. Je suis pas fan, ça. J'aurais bien aimé un autre. Je regarde. Alors, regarde. Regardez un peu. Voilà. Pour Christmas. Pour Noël. Voilà, hop, hop, comme d'habitude, je découpe les petites bites, comme d'habitude, je me lève, je te bouscule, tu ne te réveilles pas, comme d'habitude, je découpe les petites bites qui ne servent à rien pour ma carte. Maintenant, je vais prendre une chute, ou pas d'ailleurs, parce que je pense que j'ai des trop petites chutes. Comme d'habitude, je mets ma carte de côté, voilà. Donc ça, c'est trop petit. Ben, tu sais quoi? Ouais. On va prendre ça. Donc, ça, il est où mon verre? Il est où mon verre? Il est où mon verre? Il est là. Voilà. Hop. Et hop. On va mettre légèrement en 3D mon petit, ma petite voiture de Papa Noël. Papa Noël. Voilà. Voilà, donc ça va tomber ou ça va pas tomber? On va le coller, ça s'est décollé, on va remettre un peu de colle. Voilà,
On va le coller sur ma carte, enfin sur mon, sur ma chute plutôt, on va appeler ça comme ça. Hop, hop. Et j'ai bien envie de mettre le For Christmas devant, comme ça fera joli, je pense. Oui. Ça fera joli. Voilà. Donc maintenant, nous allons gaiement couper le surplus. Voilà. Ça, aïe! Heureusement, c'était pas moi. On va le coller à le truc vert, papier cartonné vert, je sais pas comment ça s'appelle. Enfin, une feuille, quoi. Une cardstock, en fait. Alors, on va laisser un peu quand même pour que ça fasse joli. Et on fait pareil en découpe. J'ai laissé un peu trop, je trouve, là. Voilà, ça fait plus joli. On va prendre notre petit fond de carte. On va mettre la colle sur notre petite image qu'on a réalisée ensemble. Et on va le coller. Elle est belle. Franchement, je trouve ça fait super beau. Alors, je vais pas appuyer trop fort parce que c'est un peu chiant. Avec, quoi que je peux le faire sur le côté. Ouais. Ah, attends. Je vais pas faire de traces. Et une petite touche. Soit vous mettez des enamel dots, soit vous mettez. Ben moi, j'essaie de trouver en fait. Je vois pas. Si je code du vert fluo, ça fera pas beau. Alors. Je regarde ce que j'ai dans le ton du vert. Pour moi, ça fera pas beau. Non, trop petit, ça va être chiant. Là, c'est bleu. Là, c'est vert, mais c'est des formes un peu cheloues que ça va pas avec. Mais tant, je vais le mettre, hein, tu sais que ça. Ben, je pense que je vais le mettre. Parce que rouge sur rouge, ça fera pas beau. À moins. Réfléchis. Non, c'est pas grave. Allez, hop. C'est quoi ça? Ah oui. Ça vient de Cultura. Cultura. J'aime bien le brillant par contre. Hein. Je trouve que ça fait plus joli. Et ma Juju. Il y a ma Juju qui est à côté de moi. Et je vais mettre un petit peu plus grand. Voilà. Si ça ne tient pas, bien sûr, je mettrai de la colle. T'en penses quoi, ma Julia? Ah, ça fait super beau. Tu as beaucoup de talent. Je t'aime, je t'aime. Oh, mon bébé, c'est gentil. Le mec complètement fou qui fait tout tomber en même temps. Donc voilà ma petite carte. Franchement, elle est trop mignonne, non? Moi, j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle est classe, elle est sobre, elle est romantique. Romantico. Non, sérieusement, j'aime bien. Ouais, ben franchement, elle est belle. Elle est pas chiante à faire, si je peux dire. Elle est pas super longue. Elle est belle. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Vous savez, à Noël, on fait souvent beaucoup de cartes. Donc, si on commence à faire des cartes qui durent 2 heures pour faire une carte, on s'en sort plus. Bien sûr, je vais en faire hein, une ou deux, quoi, voilà. Allez, je vais vous laisser. Passez une très bonne journée, une très bonne soirée, un bon appétit, une bonne matinée, ce que vous souhaitez. Je vous fais des bisous. À bisous. Bisous.